Bonsoir YouTube, comme tu vois on a beaucoup de soucis en ce moment à l'AMV Production, même si Svetlana fait de son mieux. Tu vois, hein, même le fond animé derrière n'est plus animé, plus rien ne fonctionne. On a 26 VOD en attente, du coup tu verras cette partie avec le bébé bleu sur Isaac Afterbirth Plus en 2019. J'espère que tu as passé un bon nouvel an et je vous souhaite un bon emménagement. Allez, on y va. Merci Bastucieux pour les 1500 bitcoins. Même si je déteste Binding of Isaac, la MV Production, c'est de l'amour avant tout. Ah, merci beaucoup. Rire au XS. Merci pour le subprime. Et Skull, Skull, qui va faire un sub à l'Escouze. Ou à l'Écouze. Ok, bébé bleu. Hard, c'est parti. Le bébé bleu, si vous ne le connaissez pas, il est extraordinaire. Manchiant. Alors, le bébé bleu, il n'a que des cœurs bleus. Ah, alors... Ah. Oui, mais ça, on n'a plus besoin de tricher comme avant. Oh, Curse of the Maze. Est-ce que j'ai vraiment envie de la jouer, celle-là? Et le bébé bleu, surtout, l'autre problème évident du bébé bleu, c'est qu'il ne pourra jamais, au grand jamais, avoir de cœur rouge. Donc, on pourrait se dire que ce personnage est dégueulasse. Sauf que, il commence avec des stats plutôt honnêtes. Et, bon. Non, bref. On aime bien le bébé bleu. On sait pas trop pourquoi, mais on adore le bébé bleu. Hein. Je pense que c'est un reset hein, quand même. Voilà, problème, les curse rooms sont dégueulasses. Si, on pourrait jouer curse... Est-ce qu'on joue reset? Genre là, si j'ai des cœurs bleus... Ah, mais j'ai pas de bombe. Mais si dans mon caca, il y a une bombe, non. Mais si ça... Ah oui, alors les pilules aussi avec le bébé bleu sont en général horribles. Pourquoi? Parce que vu qu'il ne peut pas avoir de HP up, c'est pas clair. Parce que le full health, je sais pas ce qui devient. Je sais pas si ça devient un bad trip ou un health da, ou autre chose. Je crois que du coup c'est désavantageux. Y a rien qui va avec lui. Hein. Ah, une minute de silence pour l'Imote Reset. C'est vrai, hein, l'Imote Reset qui a été rage enlevé pendant Mario. Qui aurait bien servi ici. On la met, on peut la remettre. Hein. On peut la remettre tout de suite même. Si je l'ai encore dans un des dossiers. Qu'est-ce que c'est que ça? Rétrovision, c'est chiant, hein, c'est dégueulasse. Je vous le concède. Bon, très bien. C'est quoi? C'est Scorpio? Poison Tears. Ouais, Poison Tears en... Ah oui, en systématique. C'est pas dépendant de la chance. Donc c'est pas si mal que ça. Hein. Poison persistant, on est quand même content. C'est du vrai DPS, c'est pas des conneries. Oh, rétrovision là. Ah oui, on a récupéré l'allumette qui va nous permettre d'avoir plus de bombes. Ça, c'est de temps en temps, ça débloque un effet de livre aléatoire, hein, si j'ai pas de conneries. On va rester sur les bombes. Au moins, reviens dans le menu pour virer rétrovision. Non, mais rétrovision va s'en aller de lui-même de toute façon. Enfin, oui, je pourrais bien sûr. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je suis un connard? Je vais pas m'énerver, hein. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Voilà, alors le pire truc, HP up avec le Blue Baby, c'est de la merde parce que c'est un cœur bleu. Sale secrète. C'est vrai pourquoi je pame palais. Avoir sacrifié cette bombe pour rien, ça m'a traumatisé et j'ai pas voulu faire la salle secrète alors qu'en vrai on va redropper des bombes dans la théorie. Ouais. Donc c'est dommage. Ça aurait été mieux de le tuer près du mur à droite, il y avait une micro chance qu'il y ait quelque chose de bien, mais on... Oh là là, vous êtes 12 000. Oh là là. Heureusement qu'on a les poison tears, hein. Heureusement. En vrai, c'est un bon personnage. Hein. Là, il faudrait un petit Tears Up, un Damage Up, un The Pact. Devil Deal, on propose The Pact. Ou bien on refuse les Devil Deals, ce qui arrive souvent hein, avec Blue Baby. Si on n'a pas une orgie de cœur bleu, ou si on nous propose pas un Devil Deal qui
qui donnent des cœurs en contrepartie, typiquement The Pact, The Mark, Robe Cérémoniale. On va en général skipper et s'orienter vers... Bon bah on va dire que c'est l'équivalent du One Up. Parce qu'en fait le Hank vous fait revenir si vous crevez en tant que Blue Baby avec 3 cœurs bleus. Pour l'instant c'est pas fou hein. Scorpio était bon mais... Du coup ça va peut-être... Ah oui mais le Hank du coup peut nous aiguiller vers un Devil Deal. Si un Devil Deal de ouf, vu qu'on va revenir quoi qu'il arrive, c'est pas si mal. C'est jouable, c'est ok. Oh, c'est caca qui donne rien, ça commence à me déprimer, hein, je dois bien vous l'avouer. Regardez ça, il optimise son caca. Génial. Et pour l'instant, on a une chance neutre, zéro en chance. Un jour, on droppera un truc dans ce caca, je vous jure. Bon bah, on a tout fait, hein, plus ou moins. Sauf si on veut aller fermer des salles secrètes. Je pense qu'on va bien tracer, surtout. Larry bleu, ok. Un peu plus fort. Bien gros, on va pas le louper. Le poison, ah, quand même. Évidemment, hein, même si c'est systématique, les boss ont des résistances au poison. Ça, ça proc pas tout le temps, faut pas déconner. Ok, avec un cœur noir ici, des bombes, et le Devil Deal de votre vie. Alors ça c'est sûr. Est-ce qu'on est gourmand? Allez, la gourmandise, Fear Shot, donc peur sur le couteau mais surtout du dommage up. Un peu risqué, mais on a notre assurance vie, et si on meurt on revient avec 3 cœurs. Putain, ça fait 3 fois hein, qu'on joue couteau je crois. Tentant. C'est tentant, on y pense. Oh putain, j'aimerais bien que t'ailles près. Ouais, non, si tu vas me faire chier. Tu vas me faire chier, hein, ouais, tu vas être un gros connard. Ah, c'est ça. Ouais, ouais tu vas être un sombre connard. Ouais, non, en fait, ouais, ça me saoule. Voilà, merci. Ça m'a saoulé. J'aurais bien voulu optimiser, mais il était trop rapide, ça allait être casse-couille. Alors on va juste le mettre en opposition au début parce que c'était un peu chaud. Ok. Ah. Génial. Mais vraiment, il a esquivé. Oh, il reviendra pas dessus. Ça m'ennuie. Voilà, ça m'ennuie. Ah. Et ça peut dropper un truc. Parce que là, je peux m'en aller, hein, clairement. Mais je me dis, non, il drop. Non, que dalle. Au moins on défoncera plus vite notre caca grâce au couteau. Oh là là, oh ça c'est ça, ça pue, je suis pas assez rapide pour. Je suis pas venu ici pour souffrir. Ah celui-là il explose. Attention ouais voilà. Je commence à le prendre. Et lui sucer le derrière. Ok. Allez, allez, un objet de la folie. PhD, ben je suis bien embêté parce que ça va pas me soigner vu que j'ai pas de cœur rouge. Mais du coup on aura des pilules positives. Eh, hey, pas mal. Il y a un Magic Mushroom là, ça c'est en exclusivité pour ma commu. Diagonale qui marche pas. Regardez le Magic Mushroom. Non, il serait... Non, ça... Pour l'instant, je débrouille pas trop mal avec le couteau. C'est qui le perso? C'est le bébé bleu, le Blue Baby qu'on débloque plus tard, le triple point d'interrogation. Il ne peut pas avoir de cœur rouge. Personnage relativement dur. C'était le perso le plus dur dans le premier Isaac.
Depuis, évidemment, il y a eu des abus hein, avec The Lost, Keeper et toute la clica des persos à chier des bulles. Ok. Est-ce qu'on optimise comme des connards? La réponse est bien évidemment oui. Allez, allez, jeu de jambes. La manutention. J'ai déjà fait un peu de manutention. Hein. J'avais collé des étiquettes sur... comment dire? Oh, cool. Ah non, c'est Flatworm, je croyais que c'était Flatpenny. Sur des robots mixeurs qui étaient vendus dans un téléachat espagnol. Extraordinaire. True story. Alors. Ok. Oh! Le voilà enfin, le caca. Le caca de ses morts. Two of Diamonds est tentant pour garder le I Can See Forever derrière. Quoi qu'on a des bombes, est-ce qu'on veut jouer le poop alors qu'on est cave 1? Ouais, on va quand même prendre le poop pour optimiser notre Two of Diamonds plus tard. Merci tout miel pour les 500 bitcoins, Artigan FR pour le prime, Galinette également, Bastucieux, oui on avait dit, merci beaucoup. Alors. Bon, on sait jamais, n'oublions pas qu'avec notre partie intolérable de Eve où on a mis 999 pièces dans la machine, on a maintenant, bien entendu... Ah oui, avec mon poop surtout, suis-je bête. Évidemment qu'il fallait prendre ça. On a des magasins riches en contenu. Donc c'est worth. Je le déteste. Regardez, voilà mon caca. C'est avec joie maintenant. Ça c'est oui parce que c'est HP up et du dégât up. Alors que l'autre Odd Mushroom c'est plus de débit et moins de dégâts. Par contre on a perdu un peu de vitesse. C'était pas le feu hein, niveau vitesse, donc ça commence à être un peu inquiétant, même si ça va. Tellement magique. C'était possible là, hein. Non, c'est pas possible. Donc elle est pas là, hein, la secret room. Il y avait... L'accès au mur était barré par un petit cours d'eau. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir la secret room à cet endroit. Ni ici d'ailleurs. Du moins pas à droite. Mais quel connard! Quel roi des connards! Je fasse gaffe, alors c'est vrai que j'ai une assurance vie, mais merde! Les cœurs bleus, ça va se dropper de manière relativement rare tout de même. Salle d'arcade, sait-on jamais, d'accord. Le range vous manque. Oh, Balls of Steel, meilleur! Pilule évidemment à obtenir avec Blue Baby. Merci hein, finalement le PhD. Deux cœurs bleus, Balls of Steel. Oh, elle sent bon, hein. Ça sent bon ce run Blue Baby. Hein. J'avais hésité à faire un sondage Vetlana. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Paf, la pastèque. Trakei, merci pour les 11 000 bitcoins. Je t'aime MV, je claque le pognon et suce un ortolan pour fêter ça. Ah. C'est pas très joli joli, hein. Pas très joli ce que je vais vous montrer, mais off. Si vous saviez, si vous pouviez ressentir. Ok. Merci énormément. Grâce à cet argent, moi aussi, je vais dès demain me procurer un ortolan à manger à la serviette. Oh là là, tant de pognon. Dans le jeu aussi, hein. Du pognon everywhere. Notre Two of Diamonds va être optimisé. Ça tombe bien, le magasin, il est là. Ah non, c'est grid. Solde Steam pour le LOL. Non, pas du tout, ok. Il compte lui ou pas? Oui, plus 5% de Devil Deal. Ah, il y avait du pognon encore. Commence à le prendre. Et à lui sucer le derrière. J'ai pas trouvé l'objet encore. On peut faire le boss, hein, sereinement. De Stain, c'était prévisible. Vu les ennemis qu'on avait eu jusqu'ici. Oh là là, Squeezie, excellent. Évidemment, on adore ces vidéos, mais on adore surtout les deux cœurs bleus qu'il va nous donner. What is it? Book of Sin. Book of Sin, en fait, tous les jours, hein, je pense.
Mais certes, mon caca me donne des trucs. Et le Book of Sin me donnera des meilleurs trucs. Tout à l'heure, on a fait l'impasse. Mais il va souvent donner des cœurs bleus, des cartes intéressantes. Je pense que je vais claquer mon... Two of Diamonds maintenant, je vais claquer là. The Sun, on va le garder pour le mapping de la salle d'après. L'étage d'après. Bébé rouge pour Conjointed, Triple Knife. Ah, le bébé rouge compte. Alors c'est quoi? C'est juste tous les familiers bébés qui comptent ou certains? J'hésitais en plus à prendre le bébé rouge parce que j'ai pas... je l'ai jamais pris encore, je crois, Sister Maggie, dans un run. Quoique si. Alors on a évidemment accès à toutes ces salles grâce au Blue Baby. Un petit cricket scène. Non. Cœur noir fait plaisir. Ça, c'est, ça balance des bombes, ça. Sale ambiance. Voilà, on aura nos 99 pièces quoi qu'il arrive. Finalement. Oh là là, Aunt Rose, il est un peu vénère. Enfin, vite s'en débarrasser. Voilà qui est fait. Voilà, le bouquin qui fait son taf. Est-ce que j'ai envie d'être plus large? Si je suis plus large, mon couteau va pas l'être. C'est juste mon sprite. Donc du coup, l'intérêt est limité. Je commence à le confirmez-moi prendre. Ça, j'ai un doute. Derrière. Oh, on est d'accord que... C'est de la full beat. Ah, ça peut pas être là. Elle est où cette salle secrète? Elle peut être à gauche là. Donc en haut là, oui. Elle peut être là à gauche. Ouais, je pense qu'elle est là. Boss rush. Oui, c'est vrai qu'on pourrait y penser. Oui, j'ai clé limitée, mais lui, je vais lui donner mes clés quand même. Oui, ça marche pas comme ça. Faut pas déconner. Paf. Ça sert à rien. Y a pas un truc... non, c'est puberty qu'il faut bouffer 3 fois pour avoir un HP up. Donc go. Merci Artex pour les 500 bitcoins. Je suis des streams de pupée. J'adore ce que tu fais, mais tu me donnes envie d'acheter Isaac pour un genre. Et je suis là. Merci beaucoup. Lou Guilhem pour le Prime également. Et Apecable. Ou Apecable. Qui offre un sub à Batlabor. Ah. Ah. Très bien. Très bien. Oui, je voulais pas claquer The Sun là, en vrai. Quoique j'ai... Non, je peux le claquer à l'étage d'après. Je crois que cet étage là a l'air grand, mais y a pas de curse, donc non, allons-y comme ça. De toute façon, ça va aller vite, hein. Le knife, il est là pour ça. Pour que tout aille vite. Et à lui sucer le derrière. Lemon Party, c'est fort. Contre un boss qui ne vole pas. DPS monstrueux, on se fait pipi dessus. Dans un joli rayon. Alors est-ce que je vais encore louper lamentablement? Ne répondez pas. Ah, je claquais deux clés pour mon sbi. Ça c'est l'appât du cricket sed. Hein. Si on a cricket sed, on est tellement content. Speed up, ça tombe bien. Cancer, HP up. Oh oui, ah oui, c'est fort. C'est très très fort, cancer, moult cœur. Oh oui, il y a des belles choses ici. Il y a des belles choses. On prend les sacs. Je pense qu'on. Ouais, on prend les sacs tous les jours. Sack head, plus de sacs. Merci. Donc maintenant, on va dropper beaucoup plus de sacs que d'objets normaux, on va dire. Et l'intérêt, il est simple. Les sacs. Oh là là, ouais, there's more options. Un cœur bleu. La pilule, c'est quoi? Power pill, oui, c'est marrant, mais on s'en fout. Bon, je peux mettre des bombes en vrai. C'est quoi le cadeau? Mystery gift. Mister me can do. Ah d'accord, il vient de choper. Putain, je connaissais pas cet objet. Il vient de me choper le boomerang gratuit. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je connaissais pas tout ça, moi. Vas-y, refresh. Hive Mind, je proc pas de mouche donc c'est pas clair. La machine de don du sang, Steam Sales, oui. Mais c'est un peu tard, Broken Watch, d'accord. La Bible, KO. On veut KO? Ah oui, on veut KO. Et là, on va essayer de trouver un objet de Devil Deal dans le magasin. KO, en fait, ça mélange tous les pools d'objets. Oh, évidemment, fallait qu'il meure là. Quelle vie! Recharger avec une batterie spare. Oh là là, je suis deg. Putain.
Ah, la stopwatch qui s'active. Oh là là, mais c'est quoi ce. D'accord. Salle de ouf. Mais 4 cœurs bleus. Du coup, j'ai perdu du temps. Mais en même temps, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait. Donc, allons-y. Voilà, en fait, oui, j'avais pas dit, mais cancer, c'est fort parce que ça me donne la réduction de dégâts. C'est-à-dire que. Ah, bah tiens, ça a marché. Du coup, on va voler. Voilà, ça, c'est un objet de Devil Deal, mais il s'est retrouvé ici. Parce que maintenant, tous les pools sont mélangés. Mais c'est-à-dire que le Devil Deal va sûrement être minable. Alors, je crois que Krampus, ça va pas bouger. Il va me donner les objets d'habitude. Lump of Coal. Lump of Coal, ça va pas nerfer le couteau? Vu que le couteau a peu de range. Non, ça nerf jamais. C'est jamais négatif, Lump of Coal. Genre si on est... ça va pas nerfer mon corps à corps. Merci Impeccable qui offre un sub à Gogo 7300. Non. Jamais. Non mais rien. Non jamais. Jamais nope. Ça veut dire que non, ça ne nerf jamais. C'est comme Proptosis, ça ne nerf jamais. Go prendre Mister Me, c'est vraiment à prendre. Oui parce qu'il peut aller prendre tout, mais oui mais... C'est aléatoire. Ah non, c'est Mister Me quoi qu'il arrive. Ouais, on va faire ça. Merci à toi, Sifax. Bon, allez, 17 minutes 25. On trace. Allez, on prend Mister Me. Parce que ça se trouve, il va y avoir des Devil Deals qui vont flotter à... Ouais, mais de toute façon, je vole. Donc, quel intérêt j'ai à prendre Mister Me? Si, pour les magasins. Mais il n'y aura plus de magasins. Si, encore un. Arcade. Lui, c'est tentant, là, le Diablotin. Parce qu'il peut donner n'importe quoi. Il faudrait juste se prendre quelques coups. Certes. Mais là je suis full life. Alors j'ai plus le visuel sur ma vie, mais bon je sais que je suis full life. The Sun donc, oui, quel connard, vite. Ok. On va jouer l'item room quand même. Combien? 17-48, ouais, on a largement le temps. Vous en faites pas. Toujours la banane. Ouais, j'aurais dû la garder cette batterie. Vu que j'ai la recharger là, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a là? Potentiellement intéressant, quoique je suis full life, donc à part obtenir une TP Devil Deal ou un objet de Guppy, c'est pas si fou que ça. Le pain pourri, c'est quoi déjà le boss, cette merde? Le pain pourri. Bon, c'est pas juste un espèce de HP up miteux. Euh, 18-28, ouais, faudra que j'arrête de glander trop quand même. Genre. Ouais, ça c'est pas mal si je veux reroll un objet, je le pose là. Typiquement Mister Boom, je pourrais prendre Mister Boom, l'amener ici. Non, je peux pas l'amener ici. Donc, en fait, ça sert à rien. Faudrait que je fasse spawner un objet ici, ouais, donc c'est zéro. Ah bah Mister Me, on va pouvoir l'utiliser au magasin. Je pense pas qu'il y ait grid. Non, c'est pas terrible. Joker. Ok, on va prendre Joker. On va bomber le marchand. Et on y va. Quoi que je peux... Donc là, il va prendre ça, même si je m'en fous d'avoir le grid, mais bon. Le bum. Oh, oh. Ok, vite, go. Je le prends ou pas? Ouais, j'ai plus besoin d'argent après. 19-23, putain j'avais pas fait gaffe. Je l'ai tellement joué en mode tranquillou bilou. Ça va le faire. Ok. Nul et nul, mais de toute façon on pourra prendre les deux. Ah non, si j'avais eu la batterie, oui. J'ai deux objets de Guppy. Ah oui, mais non, mais je suis con, Guppy avec le couteau c'est zéro. Je me déteste. Bon, c'est vraiment pour faire le boss rush, hein. Mais pourquoi je me mets devant lui? On ne fait jamais ça avec Bloat. On se met derrière. Ah par contre, oh, me dis pas que ça va durer tout du long. Si ça dure tout du long, c'est du génie. La stopwatch est activée pour tout le boss rush là? J'avais compté, hein. Ne vous inquiétez pas, j'avais compté. Oh le génie. J'avais compté les salles. Vous inquiétez pas.
à la Broken Watch. C'est pas du tout de la moule, hein, j'avais tout compté. Non mais quel connard. J'oublie à chaque fois quel ange fait quoi. Un jour je l'apprendrai et je serai très fort. J'en ressortirai grandi. Alors, ça marche que sur les objets. Genre si j'envoie mon mec sur un ennemi là, on va essayer. Vas-y, va lui faire mal. Ah si, il fait du DPS, j'ai l'impression. Anecdotique certes. Ou bien il attendait. Il attendait qu'il se passe quelque chose. C'est qui l'autre? Ah oui, non, ça okay, l'ambiance. Il est où le masque? Il est là-bas. Ah bah il était là, mon gars. Bon, ils sont où les cœurs bleus là? Oh là, lui, non, non, lui, on en veut. Voilà, très bien. Enfin, non, meurs, genre, meurs. J'ai pas envie qu'il fasse le vomi. Horrible. Ah oui, c'est vrai qu'on peut affronter Hush aussi. Putain, mais je suis trop con d'avoir pris Guppispo par contre, je m'en veux beaucoup. Parce que ces trois cœurs bleus en moins, ils vont faire mal. Même si je viens de me rappeler que j'ai la réduction de dégâts. Donc, contre Hush, contre des gros boss, des boss marathon, ça va être bon esprit. Parce que certes, la première touche fera un cœur entier. Mais les touches suivantes ne feront qu'un demi-cœur. Donc c'est confortable. On avance relativement vite. Donc même si c'est 30 minutes, Hush. C'est toutes les 4 salles, hein, Broken Watch, que ça fait son effet. Mais est-ce qu'on maîtrise? Est-ce qu'on peut savoir quand il va faire speed-up? Parce que le problème de Broken Watch, c'est que sur un accident, il peut faire speed-up. Et un Hush en mode speed, ça serait pas drôle du tout. Broken Watch, hein, la montre cassée, c'est ce que j'ai acheté dans le magasin. Et normalement, si je dis pas de bêtises, c'était le cas avant, toutes les 4 salles, elle ralentit les ennemis, mais sauf que des fois, il y a accident. Je commence à le prendre. Elle lui suce le derrière. Je sais pas quel est l'autre. Ok, c'est Pin. Sérieux? Merci. C'est bon là? Putain, combien? C'est beau, mais c'est long. Alors. Oh non! Quelle vie! Faut que je fasse bouffer mon pognon au Dark Bomb aux étages d'après. Filer des trucs, aussi anecdotique soit-il. Ah, c'est bon, on débloque la mouche qui pète. On va prendre la vie. On pourrait prendre les 10 bombes, je vais prendre la vie. C'est 2 cœurs, le foie cru. 23 minutes 25. Il va falloir tracer, mais c'est possible. Merci Shadil pour le Prime. L'autorose de l'ultime décathlon également, des bisous. Même ouvrir un méga Satan, putain, mais il fait le café quoi. Je pourrais débloquer. Bah, ça va, on a quasiment pas perdu de vie grâce au Rolliver. C'est quoi ça, la super balle? Putain, il y a trop d'objets, je sais plus ce que ça va être. Nah, mais. Ah ouais, il y a toutes les 4 salles donc. Bien ça, hein. Oui, c'est ça. Je suis arrivé à l'étage, c'était première salle, je suis allé à droite deuxième. Défi troisième et la quatrième salle. Donc en fait on peut compter et essayer d'avoir les bons trucs. On le faisait à l'époque où on jouait beaucoup. Ce qui n'est plus le cas, donc là ça fait une salle. Deuxième salle ici. En vrai, ça me saoule. Donc 4... Ah oui, mais est-ce qu'elle va compter? Tiens, c'est intéressant. Ah ouais, elle compte quand même. Donc quatrième salle, ralenti. Okay. Je me demandais si on entrait par effraction, si c'était compté quand même. La réponse est oui. 1. 2. On vole, donc on s'en fout un peu maintenant, en vrai. 3. Et donc là, le boss sera ralenti, en théorie, sauf drame. Il sera accéléré. Petit rock. Pas de small rock. Putain. Perspective. Merci. Il est ralenti. Le poney blanc va forcément être à gauche. Donc vu que je vole déjà, on va aller... Ah mais attendez, est-ce que...
Ah, j'ai pas compris. Je pensais qu'il allait le prendre, mais en fait, il a rien pris et j'ai pris le White Pony avant en le rushant, c'est ça? Ma vie est merdique. Ou bien c'était forcément. C'est de la merde. Ah, le lit qui donne. Le lit soigne de 3 cœurs bleus par contre. Quand on n'a aucun cœur rouge, donc c'est pas mal. Si vraiment ça part en couille, on saura, voilà. Par exemple, on peut revenir. Voilà, je pense que j'avais envie secrètement, vous voyez. Combien 25-44. Je viens de déclencher le truc. Stream en 1080p, normalement oui. Sous le lit, y a pas un truc. C'est dans les auberges de base. Là, c'est pas une vraie auberge, c'est une salle d'arcade où, comme par hasard, il y a un lit. Mais si on a une auberge, 3, si on a une auberge, une salle d'auberge, une salle avec un lit qui est, comment dire, vierge, c'est-à-dire où il n'y a pas de toile d'araignée, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de rocher, oui, au milieu, si on bombe le tapis, il y a une échelle de corde. T'avais ce jeu. C'est vrai que quand on le raconte, ce jeu, on se dit, mais putain, c'est vraiment imbitable. Mais oui, il y a une échelle de corde dans ces cas-là, si on bombe la moquette. Ok. Oh là là, il a combien de points de vie lui? Donc première salle ici. Ce qui serait bien, ça serait de conditionner Hush. Ouais, clairement. Ouais, ouais, il faudrait qu'on arnaque Hush. C'est notre but là. Mais c'est technique pour... Parce que du coup, une... La salle à côté du boss, ça fera un. Okay. On va voir. Que là ça va être le slowdown là, ok, slowdown. Je suis sûr ils vont mettre le face sur Hush. Une salle. À lui sucer le derrière. Deuxième salle. Ok. Normalement, attendez. Si on bat le boss et qu'on a le Devil Deal. Mais même si on n'a pas le Devil Deal, on a le shop et machin. Bah c'est quoi là, il me faut une salle en plus, c'est ça pour valider le slowdown? Est-ce que je le fais? J'ai le temps en vrai. C'est pas très sérieux mais on va le faire. Tac, tac, donc là je fais troisième salle ici. Voilà, donc la quatrième salle sur Mom's Heart normalement, enfin Heatleaf peut-être maintenant. J'ai le slowdown de la Broken Watch. Hush couteau, ça passe. J'ai pas mal de range donc ça pourrait peut-être passer. Donc voilà, slowdown ici, on est content. Ok, donc 1, 2, 3. Je suis obligé d'aller à Hush maintenant. Faut que j'aille à Hush tout de suite, faut pas que j'aille au magasin ou aux objets d'abord. On débloque des choses. Hit Leaves est débloqué, ça y est. Des challenges en folie. Donc ouais, on ira visiter les magasins et conneries après. Putain, avec le sac Ed quoi. Conneries. Ah, même Joker, je suis obligé d'attendre en fait. Ah, Ace of Clubs, ça convertit tout ce qu'il y a là, tous les drops. Si c'est le cas, c'est fort. Il faut que j'attende d'utiliser mon Joker. The Stars, The Moon. Tout ça, ça devra. Ah, mais RG6 contact, je peux le prendre pour le fight. Ok, donc go. Et normalement, quatrième salle, slowdown, voilà. Allez, c'est parti pour la prise de tête. On va utiliser notre truc là. Paf. Ça fait rien. Un problème de Hush, hein. Ah oui, si quand même, elle le tient. Elle le tient longtemps, hein. C'était peut-être à utiliser plus tard. Problème de Hush, évidemment, il s'adapte à votre DPS. Donc ça va être un combat long, quoi qu'il arrive. C'est un peu le problème de ce jeu. Typiquement pour le dernier boss, la Delirium, qui est vraiment nul à chier des bulles. Mais bon.
Ah d'accord, faudrait faire attention. Donc je me suis touché, mais vous voyez j'ai une aura bleue, c'est grâce au signe du cancer. Donc en gros à partir de maintenant, si je me fais toucher, je perdrai qu'un demi-cœur, alors que je suis censé perdre un cœur entier ici. Bon, voilà, ça c'est pas trop couteau friendly ces merdes là. Mais elles sont slowdown, donc ne nous plaignons pas trop. Elles vont avoir range infini quand même. J'aurais dû passer dans le bon endroit. Elles ont range infini malgré le fait qu'elles soient slowdown. Ah c'est casse-couille. Ouais. Ah mais du coup j'ai balancé l'effet de mort. Lol. Ah oui c'est vrai que je peux utiliser Vas-y. Va là. Ah ouais il fait du DPS hein. On le voit. Pas fameux mais c'est une aide. Donc faudra essayer de danser. Qui donne envie de danser. Afin qu'il y ait... Oui il est encore là, il fait du DPS, il va rester tout du long en fait. Bon bah tant mieux. Je me demande si je peux en rappeler un deuxième par dessus. Si je drop une batterie. Ou si ça annule. Ah du coup c'est génial, ok. Bon alors on va vraiment faire en sorte que Hush reste ici. Ah non mais d'accord, c'est même pire que ça. Il est accroché au boss. J'ai même pas besoin de... D'accord. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est vraiment bien ce truc là. Oh putain quel con. Ah oui on va bientôt arriver aux larmes infinies où je comprends rien mais je crois qu'il faut pas bouger. Eh mais vu qu'en plus elles sont slowdown, bon je bouge plus. Dans ces cas-là, faut pas bouger, faut y croire. Sauf quand il va y avoir la tornade de ses morts. Genre ça. C'est vrai qu'en slowdown, hein, c'est meilleure ambiance. Donc là je bouge plus. Ah, ça ne fonctionne pas. Heureusement que j'ai un range de con. On y est là hein. Allez! On attend impatiemment ton retour. J'espère que je suis pas obligé de buter les sbires. Tu vas sortir ton cul au bout d'un moment. Voilà. Genre! C'est quoi cette feinte? C'est parti. On voyage. De toute façon, il y a mon pote. Hein. T'es sérieux là mec? Oh là là, le casse-couille. Non mais meurs. Oh, oh. Allez. Mais il va jamais se montrer? C'est vraiment... C'est le bail? Il y a un truc qui m'échappe? Je suis censé faire quelque chose? Tuer le plus de sbires possible? C'est ça hein. Ils sont 12 000. C'est chiant. C'est quoi cette blague? Je m'ennuie. Bonjour. Ah tiens voilà l'effet de mort. Mais il sort. Mais qui? Tu le ralentis, il est lent. Ah ouais mais là quand même. Ah voilà c'est ressorti je crois. Mais non il ressort une demi-seconde. Du coup ça ne s'arrête jamais. Il est ressorti une demi-seconde. Alors j'espère que c'est pas Mister Me qui le... Je vais pas m'énerver. Meurs, meurs, meurs. Meurs, mais genre meurs, voilà. Ah, du coup, ça a validé tout. Oh, c'est terrible. Ah oui, mais merde, c'est vrai qu'on a fait KO. Donc, la cuillère, c'est pas ouf. Mais non, mais... Je vais pas m'énerver. Ace of machin. Ah oui d'accord, ça convertit en un seul et unique truc. Grosse ambiance. J'aimerais bien recharger l'autre objet pour essayer mon truc de mort. Ah
Mais c'est la Zermie cette histoire quand même. Il n'y a pas de batterie hein, donc. De toute façon là, j'ai pas été téléporté, c'est la fin des haricots. Ça c'est un space item, on est d'accord. Ah non. Ah oui non, c'est génial ça, oui. Les petits chevaucheurs. Petits cavalier de l'apocalypse. Ah maintenant on peut continuer. Voilà, il est hors de question de s'arrêter. Ah oui non mais c'est direct vers Delirium. Et là c'est la mort assurée. Bon alors voilà, ça c'est le truc qu'ils ont rajouté dans Afterbirth Plus, ce qui m'a fait rage quit hein, plus ou moins. Donc c'est vraiment de la merde hein. En gros c'est un stage gigantesque. Toutes les salles vous le voyez changent continuellement de décor. Il y a plein de salles de boss partout, une seule mène à Delirium, le véritable dernier boss. Par contre ah oui, il faut que je compte les salles aussi. Par contre ça a un intérêt de combattre les autres boss vu qu'ils droppent des objets de boss. Sauf que là ils vont dropper tout et n'importe quoi vu qu'on a Chaos. Du coup il va falloir compter aussi les salles. On peut essayer de repérer où est Delirium parce que sa salle est tellement grande qu'il faut que c'est du sens au niveau du mapping. C'est à dire que si la salle de boss est collée à est très proche physiquement de deux salles, ça peut pas être la salle de Delirium parce qu'il y aurait pas la place. Truc du genre. Ce que disait Frag la dernière fois, et oui en effet ça avait l'air de se... Voilà, vous voyez là je me suis fait carotter par mon truc. Au lieu de faire speed down il a fait speed up. Alors il y a très peu de chance. Mais si ça arrive, si c'est arrivé contre Hush par exemple, on aurait passé un sale moment. Première salle. 2. Ok, le blanc en dernier. Obligé. Merci. Génial. Delirium, je pense que je meurs 100%. Je crois que je l'avais pas battu. Hein. Zero fun, c'est bon esprit. 3, c'est ça? Donc là, voilà. Typiquement, cette salle de boss, il y a la salle où il y a la pilule, là, très 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 proche. Plus cette salle-là, il est théoriquement impossible qu'il y ait Delirium là-dedans. Ah, Drowsy, ça fait slow. Pourquoi on me dit pilule Drowsy pour Delirium et t'arrêtes de compter? Bien sûr. Dégâts plus multiplicateur. La boule ok, donc 1. Ce boss là par contre on sait pas. Pour l'instant il y a peut-être moyen de se faire arnaquer. Drowsy. Oui je me sens somnolent hein. Mais c'est ça, c'est confirmé, c'est l'effet. C'est slow. Merde, quel con. Putain, mais quel con! Comment j'ai pu prendre ce dégât? Les mouches qui pètent. Voilà pourquoi il faut détruire tout. Ah, vas-y, ça ralentit, ok. Bon bah, ok, en effet. On va aller la chercher après. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Terrible. Voilà, toutes ces mouches. Merci, mon fidèle sbire. Ah, elle persiste en plus entre les salles. Faut que j'arrête de prendre du dégât gratuit, mais genre vraiment quoi. Le petit speed up. Mais c'est vrai que j'ai le bouclier ilien. Oh là là. Je peux parer les larmes et les objets qui m'arrivent de farce. Ah non, le blanc, forcément dernier, on le sait.
Oh là, quelle sale de merde. On est bien content hein, d'avoir le slowdown. Ah. Ah. Ah 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 ah. Bon, ce premier objet de premier boss était sympathique, un petit magic mushroom. Oui c'est vrai, je prends de l'argent alors que oui lui il peut me donner des trucs. Magician, eh hey, couteau homing c'est pas si mal hein. Ah oui mais on a besoin de... Hein. C'est vrai qu'on a besoin de notre slowdown. Ou bien on recompte les salles. Quelle vie. Rocher marqué. Comment ça? Dans la grande salle. Tout à fait. Bravo. Ah, il faut pas oublier que j'ai réduction de dégâts. Ça, ça va quand même faire le café. Mais à mon avis... En fait, le problème, moi, de Delirium, c'est que je ne comprends absolument rien à ses patterns. Faut vous dire que je l'ai affronté que 2-3 fois. Du coup, ne comprenant rien, c'est chiant. Donc à moins d'avoir du dégât absolument imbloquable, débile, monstrueux, ce qui n'est pas le cas hein, là. Ah dommage, un petit joker là j'avoue, je dirais pas non. Hein. Même si les poules sont mélangées donc on s'en fout un peu. Oh les cœurs, oh là là, oh cette salle. Cette salle, oh, salle du bon esprit hein. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Oh bah pff. Grosse salle du bon esprit. Alors certes, je pourrais prendre le cœur noir en plus, mais on va garder ça, hein, c'est des assurances vie tout ça. C'est à quel moment que j'ai obtenu tout le mapping? J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge à ce point-là, sûrement. Dac. Donc voilà, typiquement les deux boss en haut là, qui sont proches physiquement les uns des autres, en théorie... ça peut pas être Delirium. Ah, deuxième Steam Sale. Dommage qu'a priori on aura jamais de magasin. Ah bah il y avait The Sun là aussi. Ah c'est Blank Card, oui j'ai eu c'est sur la Blank Card que je l'ai eu, c'est vrai. C'est vrai que la Blank Card c'est une rune aléatoire. Donc on a eu la rune du mapping. Oh joie. 1. Le son du mapping là. Il y a de quoi faire. 2. Ah. Trois. Mais je suis le roi des connards, oui. Tout à fait. 4. Ok, deuxième vie du coup. Oh, transformation Champlar. Par contre, je suis devenu énorme. Je sais pas si j'aime trop ça, mais... Justice. Et oui, ouais, c'est vrai que j'ai eu le gros Odd Mushroom, le One Up et Magic Mushroom, donc 3 Champlars. 2. Très bien. Ah mais du coup c'est mort 3. On va avoir le slowdown avant, avant les boss. Two of Spades qui double mes clés. Grosse ambiance. Donc là, sauf si je dis de la grosse merde, c'est un boss normal. Ah c'est The Lem quand même, c'est un boss normal mais vite fait quoi. Est-ce parce que j'essaie mieux de me mettre mon truc dessus, voilà. Ah
Ok, le truc. Est-ce que je suis trop rapide? Je suis pas trop rapide, mais je peux peut-être prendre le lard. Le truc à droite, c'est le pire truc, hein. Curse of the Tower. Quand vous faites toucher, vous dropez des bombes, ça se passe mal. Oui, c'est pas mal. J'étais un peu rapide, débilose, donc ça va. 2. Et 4. Ah oui, je vole, donc je m'en fous. C'est l'avantage. Encore une piqûre. Ah oui, mais putain, j'ai esquivé virus dans un autre Devil Deal, j'avais pas pris virus. Sinon, c'était peut-être ma troisième piqûre. Je crois que j'ai pas souvenir d'avoir eu. J'ai pas eu Saint-Oil, c'est sûr. Ah non, peut-être pas en fait. 1. Ah là, ça peut être Delirium. De toute façon, j'ai la pilule s'il y a Delirium, donc pas de panique. Je pense qu'il est en bas en vrai. C'est le plus éloigné, ça aurait du sens. Soit en bas, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment du sens dans le jeu? Pas clair. On en est où là? 1, 2, hein, c'est ça? Faut que je trouve une troisième salle. Ici même. Et là, c'est bon. Des nouvelles salles, hein, bien sûr. Ronnie! Quand même réussi à me toucher quoi, quelle vie. Charme Tears est sympa, mais évidemment Gimpy pour éventuellement dropper des cœurs bleus quand on se fait toucher. Essayer de déclencher un cercle vertueux, même si ça doit dépendre de la chance. Et du coup, si ça dépend de la chance, c'est pas ouf. Ok, on va se taper le boss tout à droite en normal. On n'a pas vraiment envie de faire un full clear d'habitude, mais bon, là on peut se le permettre. J'ai encore ma salle de cœur noir. Oh là là, putain. Attendez. Je vais vraiment me débarrasser de ce problème là. Parce que je sens l'accident. Hein. Il est déjà venu. Il peut revenir. Ah merde, qu'est-ce que je fais? Si ça. Il peut être là, hein, en vrai. Non, ça doit être le cas. Ok. Ah oui, mais merde, est-ce qu'il va considérer que c'est Delirium ou il va juste considérer que c'est un random du Stunfest? Ah non, il est là, ok, il fait sa vie. Bon bah, c'est parti. Hein. C'est parti pour se faire chier. Par contre, le faire en slowdown, c'est une bénédiction, hein, parce que dans le genre, voilà, dans le genre boss incompréhensible, c'est très facile de se faire submerger par ce boss. Sans un DPS de Gorée et des objets défensifs très forts. Là j'ai le bouclier, hein, je peux essayer de m'en servir aussi ouais, pour tank tout ce qui vient de face. Donc ça va être une fausse représentation. Ça se trouve que je vais mourir, hein, mais c'est une fausse représentation de ce boss qui est vraiment un bordel ambulant, injouable. En tout cas ce qui est sûr c'est que Blue Baby, voilà. Blue Baby quoi. Blue Baby le gars sûr. Eh, on est déjà à mid bas. Hein. On est content. Et ce couteau qui a beaucoup trop de range finalement est très pratique. Hein. Alors qu'un Zelem qui se transforme en Gurdy, cherchez pas à comprendre. Hein. Les anges de la télé-réalité. Voilà, ce blastociste sous coke. Ok. Ça, ça se passe super bien en slowdown. Hein. Bon là évidemment il suffisait de dire ça. Mais à partir de maintenant la réduction de dégâts s'est installée. Donc de toute façon je prends qu'un demi-cœur. Paf, Blue Baby mon gars. Succès des réveillés King Baby et Delirious. Bon, on va se faire un full clear pour le plaisir. C'est fou hein, c'est beau. Ah, j'avais oublié que derrière The Hush on pouvait aller directement aller à The Void. Du coup on saute énormément de choses.
Parce que The Void, sinon, on peut évidemment l'obtenir en récompense, récompense entre guillemets, de, eh bien oui, de fin de jeu quand on a tout terminé quoi. Si on s'est fait un run chest ou darkroom par exemple. Ah bah easy avec la stopwatch forcément. Ah, speed up ici. Et du coup on n'a pas validé la fin de The Hush, faudra le faire un jour peut-être. Ou en vrai peut-être que la prochaine fois que je toucherai le coffre de The Hush, je serai obligé de me taper la fin. Oui non mais c'est même sûr d'ailleurs. Eh bah de toute façon The Hush, oui non, je suis con. The Hush après le cheminement normal c'est ou bien il y a la trappe ou bien le halo pour aller à la cathédrale. Si je touche le coffre c'est que j'aurais choisi de débloquer la fin. Donc he's ok. Allez, c'était qui le dernier boss? C'était Mr. Fred. En faut. Ah, devenir un chat? Ou devenir... Ah non, mais c'est, je confonds avec la run dev, là. J'ai encore fumé du mauvais shit. On n'a pas eu d'objet de guppy avec lui. Je sais même plus où j'habite. On a eu un objet de guppy à... Non. Si, on a eu le pot. Et ah, j'ai déjà un chat. Alors, Mr. Me va marcher. Donc, attends, je vais prendre ça. Ah oui, d'accord, il le zouloute. Ah non. Pas aussi simple que ça. Ah, est-ce que si j'avais pris guppies pendant qu'il était en train de zoulouter, ça marchait? C'est peut-être ça. Quand il est en train de le ramener, oui, c'est quand il est en train de le ramener, c'est comme ça qu'on gruge. Oui, forcément, parce que quand il est en train de le ramener, l'objet n'existe pas. Il n'est pas sur le piédestal. D'accord, ok. Ok, ok. C'est normal, on apprend. Hein. C'est un jeu où on apprend. Bon, voilà, on a tout fait, on se casse. On valide. Non mais tout à l'heure j'avais fait de la merde en barquette, je crois que j'avais appuyé dessus avant, non? Ah non ça marche pas. Donc en fait ça ne marche jamais en fait. Il y a moyen d'avoir les deux en même temps. Peut-être en rushant comme en coop, faut toucher à la même frame. C'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure. Mais c'était pas concluant. Ok. Tiens vas-y, finis le jeu. Et là je fais tout bugger. Et finis le jeu pour moi. Ah, d'accord. Incroyable. Ah, quelle bonne ambiance ce jeu quand même. On remerciera jamais assez Edmund Macmillan. Et son enfance difficile. Ok. Merci Clackenry pour le Prime. Il y a eu un host de Titavion également. Merci à lui. Ok, Scaster qui avait Prime. Shadil. On avait dit merci. Et du mutru. As well. King Baby, ouais, ça c'était, j'avais vu l'achievement Steam. Et Delirious qui est apparu dans le basement. Que de choses. On est content. Belle run, hein. Belle première run pour Blue Baby. Superbe. Incroyable. Des bisous YouTube. A plus tard, post-vlog, tout ça.